Voilà, bonjour la famille. Je vais m'adresser à certains parents-là. Les parents qui ont le comportement de Hitler. Vous avez connu Hitler? Hitler, qui était méchant comme ça là. Oui, il y a certains parents aujourd'hui là. Comme l'année est finie, ils tapent sur leurs enfants. D'autres ont même tué. On a vu des enfants, on a entendu les enfants morts. Que le père tape jusqu'à tuer Koho. Il a échoué. Il a échoué. Tu tapes l'enfant qui a échoué. Tu ne sais pas que toi-même là, père irresponsable que tu sois, toi qui me regardes, irresponsable que tu sois là, c'est toi-même le responsable de l'échec de cet enfant. Tu viens en fin d'année, tu tapes l'enfant. Oh, tu faisais quoi pendant que les autres fréquentaient? Tu faisais quoi? Toi-même le père là, toi-même là, qu'est-ce que tu faisais au cours de l'année scolaire? Parce que votre objectif, quand vous partez déjà inscrire l'enfant à l'école, pour vous là, non, c'était bon. L'enfant doit seulement réussir. On vous a dit qu'aller inscrire seulement l'enfant à l'école, là suffit. À l'enfant pour réussir, ça ne suffit pas, chers parents, chers monsieur, chères dames. Toi-même, est-ce qu'au courant de toute l'année scolaire, tu as pris le cahier, tu as même vérifié le cahier de ton enfant? Tu as même répété ton enfant une fois seulement? L'enfant aussi a besoin d'un suivi. Il ne suffit pas seulement d'aller inscrire l'enfant à l'école et attendre la réussite. Non, ça ne suffit pas. Alors, toi qui m'écoutes donc là aujourd'hui, et arrêtez ça. La violence sur les enfants là. Qui vous a même dit que l'enfant vous appartient? Moi, c'est parce que vous pensez que vous êtes géniteur, c'est que l'enfant là vous appartient. Si l'enfant vous appartenait, il fallait donc, quand l'enfant naît là, il fallait porter l'enfant seul. Donc, j'ai déjà que quelqu'un vient même pour demander, pour chercher aussi à t'aider à porter l'enfant là. Tu dis que non, c'est mon enfant, ne m'aide pas. À forte raison, là, un enfant qui part déjà à l'école. Quand il part à l'école, tu sais qu'il mange où? Tu sais qu'il marche avec qui? Tu viens, tu tapes l'enfant que oh, pendant que tes amis fréquentaient, toi tu faisais quoi? Tu as eu 7 de moins, tu as eu 8 de moins. C'est toi le père, c'est toi l'irresponsable, c'est toi-même qui es coupable, c'est toi-même qu'on va attraper et fouetter parce que tu n'as pas le droit de menacer cet enfant. Premièrement, tu as inscrit l'enfant là dans quelle école? L'enfant était inscrit dans quelle école? Pour toi, c'est seulement aller inscrire l'enfant, ça suffit, même peu importe l'école. Ok. Est-ce que tu te rassurais si l'enseignant qui formait ton enfant, qui donnait quoi à ton enfant, était bien formé? Ou c'est un enseignant qu'on a ramassé seulement dans la rue comme ça là. Pour qu'il vienne aussi, comme le qui a le chômage, il vient aussi perdre le temps. Est-ce que tu t'es rassuré si l'école où ton enfant fréquente là vraiment, si l'enseignant là a les capacités de donner vraiment cours, si l'enseignant là a été formé, est-ce que tu t'es rassuré? Tu n'étais pas rassuré, non? Ton objectif, c'est d'aller inscrire, donc de faire ton devoir. Comment est-ce que l'enfant doit aller à l'école? Tu peux aussi inscrire l'enfant à l'école. L'enfant là mangeait quoi pendant qu'il fréquentait? Le coquille? La banane mélassée, le plantain sec avec les prunes, ou alors, quoi, le manioc. Tu ne sais pas que la nutrition compte aussi pour le développement du système nerveux, donc du cerveau de l'enfant. Tu es là, tu ne fais que donner la patate. C'est vrai que nous-mêmes, on a traversé tout ça. Mais ce n'est pas aussi une raison pour un enfant d'échouer. Parce que les enfants qui mangent même le tapioca, 7 sur 7, mais ils sont premiers de leur classe. Mais ils sont nombre de combien? On les appelle les sudoués, les génies. Tous les enfants ne sont pas pareils. Donc l'enfant a droit à un suivi. Voilà donc les vacances. Tu vas dire que les vacances, les enfants doivent jouer. Oui, les enfants doivent jouer. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que laisse les enfants jouer. Les vacances, c'est 3 mois. Bon, le dernier mois, l'enfant doit rentrer à l'école. Pour faire les cours de, ils appellent ça quoi, les cours de remise à niveau. Est-ce que tu sais ça? Mais l'enfant va jouer jusqu'à la rentrée. Qu'il va venir à l'école. Ceux qui ont fait les cours de vacances, 1 mois pour les cours de remise à niveau là, ils seront en avance. Pendant que ton enfant sera derrière. Tu ne sais pas qu'une année scolaire, on commence à préparer une année scolaire, même pendant les vacances, pour ne pas dire depuis le premier jour de la rentrée scolaire. Tu sais ça, chers parents? Est-ce que tu connais ça? Bon, toi, tu n'as pas inscrit l'enfant, tu n'as pas fait tes business, tu n'as pas le temps, tu ne suis pas l'enfant, tu ne fais rien. L'enfant joue, l'enfant sait que, bon, il a aussi le laisser aller. La fin d'année arrive, quand on remet les bulletins, l'enfant échoue, tu commences à taper sur l'enfant, tu commences à insulter l'enfant, tu commences à parler n'importe quoi à l'enfant. Quand l'année est passée, là, toi-même, tu faisais quoi? Toi-même, tu dois suivre ton enfant. Est-ce que tu as même payé les cours de répétition à ton enfant au courant de l'année? Avant de te plaindre que l'enfant échoue, tu as payé les cours. Et même si tu payes le coût, tu dois suivre. Même si tu payes le coût, tu dois suivre l'enfant. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit ce matin. Donc, arrêtez la barbarie sur les enfants. Arrêtez de taper sur les enfants n'importe comment. Donc, à partir de maintenant, si tu as ton enfant, comme c'est là les vacances,
même si l'enfant a réussi ou même si l'enfant a échoué, sache que l'enfant a 2 mois pour jouer. Le dernier mois là, l'enfant doit faire les cours de vacances. J'espère que vous avez compris. Vous comprenez? Partagez-moi la vidéo, les amis. Vous savez que la page est restreinte, non? Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo aussi. Je vous l'offre, hein? C'était le général Franco, père d'enfant. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je fais sur mes enfants. Si tu fais tout ça et l'enfant échoue, oui, c'est où tu peux quand même gronder l'enfant. Mais tapez là. Parfois, vous entendez que l'enfant laisse pendre. C'est à cause de vos comportements, des parents. Ben, l'enfant échoue comme s'il a tellement peu connu le caractère de son père. Il fuit même la maison. Il prend une destination qu'il ne sait même pas où il part. Parce qu'il a peur de rentrer à la maison, il a échoué. Oh, c'est toi le père, là, toi l'irresponsable. Qui vous a dit que l'école même, c'est seulement l'école qui fait réussir? Qui vous a seulement dit que c'est uniquement l'école? Nous, quand on fréquente, on disait que oh, si tu es nul à l'école, ta vie est gâtée. Les premiers de la classe aujourd'hui, là, nous appellent patron. Les premiers de la classe qu'on fréquentait, les premiers qui nous voient dans la rue, nous appellent patron. C'est pas seulement l'école qui fait réussir. Est-ce que vous avez bien compris? C'est pas seulement l'école. Donc, si ton enfant, tu consacres à un certain âge, que ton enfant est nul, tu fais n'importe comment, l'enfant ne comprend rien. Il y a les centres de formation professionnelle. Hein? Il y a même les formations sur le tas. L'enfant peut aller faire la soudure, la mécanique, la maçonnerie, tout ça. Il faut aller apprendre. Pas seulement l'école. Si tu n'as pas assez de moyens, il y a les petites formations dans la rue là, que l'enfant peut apprendre avec les petits moyens jusqu'à devenir un homme de main. C'est pas seulement l'école. On ne tapait pas l'enfant parce que l'enfant est nul à l'école. Oh, tu seras zéro dans ta vie. Qui vous a dit ça? Partagez-moi la vidéo là, les gars.